Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, c'est un beau jour, il fait beau, on aime ça. Et j'ai décidé de vous faire un petit haul, voilà. Un petit haul pour qu'on puisse entrer un peu dans, vous voyez, un peu dans le mouvement de l'été. Il commence à faire beau, il commence à faire chaud et on aime ça. Donc du coup, je vous ai préparé des articles que j'aimerais partager avec vous de chez Shein et ASOS. Je pense que vous allez aimer ce haul, alors restez connectés. Donc, je me suis mis un peu de côté, comme ça vous allez pouvoir voir l'article porté ici ou l'article sur le site ici pour pouvoir comparer. On va commencer avec la tenue, la première tenue qui vient de chez Shein. Alors, c'est ce haut-là. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. En réalité, le haut est beige. Vous le verrez mieux quand il sera porté. Donc, le haut se présente comme ça. Je l'avais déjà commandé en rouge, là je l'ai pris en beige pour l'été. Voilà, c'est un peu, c'est une matière un peu côtelettée. Je vais vous montrer ça un peu plus, je ne sais pas si vous pouvez le voir, c'est pas possible. Mais à cause de la lumière, ça paraît blanc, mais en fait c'est un beige crème, vous verrez porté. J'aime beaucoup, c'est sans manches et je l'ai pris dans ma taille habituelle et ça passe plutôt bien. Et toujours dans le même ton de couleur, j'ai pris chez ASOS. Ce short là, cette fois c'est un short, c'est un peu plus clair que le haut que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais vous montrer les deux portés ensemble, vous verrez, j'aime beaucoup. J'ai pris ma taille habituelle, par contre je trouve que le short il est assez gros. Il est assez gros, ça va très bien à la taille, mais en bas je trouve que c'est vraiment énorme. Mais pourquoi pas, ça peut faire un style ensemble. La matière c'est... Ça va, c'est un short léger pour l'été. On veut pas non plus que ça soit une matière trop lourde. Donc ça le fait vraiment bien. J'aime beaucoup. Juste que je trouve que la coupe, c'était pas ce à quoi je m'attendais. C'est un tout petit peu évasé. Vous verrez par rapport aux photos qui sont sur ASOS là, c'est pas la même chose portée. Alors on va passer au deuxième article de chez Shein. Alors sur Shein cette année, j'ai pas fait des folies là, j'ai pas fait des folies, je me suis vraiment vraiment restreint. Je pense qu'on donne assez d'argent, assez à Chine comme ça. Je pense que voilà, on va essayer de se calmer un tout petit peu, voilà, avec les affaires de surconsommation et tout. Donc cette fois j'ai pas fait des folies. J'ai pris ce deuxième article là chez Shein, c'est un pantalon pareo avec une fermeture comme ça. Toujours, vous verrez une fois porté à quoi ça ressemble de juste à côté. Donc, il est comme ça. Voilà, des manches un peu... des manches. comment on dit? Des pattes d'éléphant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est tout noir, simple, ça va. J'ai pris toujours ma taille habituelle. Avec l'élastique, c'est mieux parce que sinon, vous serez trop resserré là. L'élastique est déjà assez serré. Donc... si vous voulez le commander, prenez votre taille habituelle. Et pour porter avec ce pareo-là, dans ma vidéo où j'étais malade là, je l'avais pris, c'est Suzy. J'arrive toujours jamais à bien dire. Chez Suzy Shear. Voilà. Donc, c'est ce haut-là, comme ça, il est violet. Je trouve que la couleur, c'est une couleur qui va bien, you know, ça va bien avec mon teint, j'aime beaucoup. C'est une manche, voilà, on a une manche un peu en haut et l'autre en bas. La matière, ça va, c'est plutôt une bonne matière. Et voilà, pour éviter d'avoir chaud, c'est pas des manches longues, donc vous n'allez pas avoir chaud en été. Et j'aime beaucoup le style avec le pantalon pareo. Ensemble, ça fait, je sais pas, c'est une vibe, c'est quelque chose que je me vois bien porter en allant à une exposition, quelque chose comme ça, vous voyez un peu. Donc, j'aime beaucoup. Ensemble porté, ça fait vraiment, vraiment, vraiment très joli. Vous verrez de toutes les façons, hein. À présent, on va passer aux robes. J'aime beaucoup porter les robes en été parce que c'est flowy, c'est beau. Et j'en ai trouvé qui vont très bien avec mon teint en été et qui ne sont pas très lourdes non plus. Donc, je suis vraiment contente de ces pépites que j'ai trouvées sur Shein. Ok, vous êtes prêts? La première robe de chez Shein, c'est celle-ci. Oh là 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 là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un ensemble de bleu et de rouge. Que demande le peuple?
que demande le peuple? Ça se présente comme ça, sans manche. J'aime beaucoup déjà le motif, hein. C'est le motif un peu marin avec, voilà, on voit l'encre, tout ça. J'aime beaucoup le motif. Je vois bien porter avec mon sac que j'avais chiné là, qui est noir-blanc. Je le vois bien comme ça en été avec des talons rouges, tu vois. C'est très joli. C'est vraiment très joli et on se sent bien. C'est pas le genre de vêtement que, voilà, tu es mal à l'aise pour bouger, pour ramasser quelque chose. Non, ça, c'est le genre de tenue que tu portes. Tu es à l'aise. Il y a un petit élastique ici au milieu pour servir de ceinture. Mais en plus, ça vient aussi avec une ceinture. Donc, ça affine la taille. C'est une robe trapèze, j'aime beaucoup, je suis satisfaite de cet achat. Voilà, vous pouvez voir le motif un peu, hein. c'est un joli motif. Donc, ça c'est la première robe de chez Shein. Attendez. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ma deuxième trouvaille sur Shein? Ouais, je dis des trouvailles parce que voilà, quand moi je fais les achats sur Shein, j'ai l'impression que je dois fouiller, tu vois, je dois faire les enquêtes. C'est comme ça que je fais mes achats sur Shein. C'est pour ça que j'aime aussi acheter sur Shein. J'ai l'impression que je fais des recherches et tout. Et je suis tombée sur cette robe. C'était vraiment, c'est pas le genre de robe que j'ai cherché. Mais quand j'ai vu cette robe, j'étais éblouie. Je vais vous montrer la robe. Tada! J'aime beaucoup. Cette robe, je l'ai mise et j'avais pas mal de compliments, tout simplement parce que la robe, elle est belle. Elle est belle, la robe. La couleur aussi, ça va très bien. Ça va très bien au teint. C'est un orange brûlé. Donc, entre le rouge et l'orange un peu, c'est très joli. La robe, elle est longue comme ça. Ok, elle est longue comme ça. C'est un dos nu. Voilà. Et vous pouvez voir... ça a des petits boutons dorés, c'est vraiment très joli. C'est vraiment très joli, j'ai beaucoup aimé la portée, j'étais à l'aise à l'intérieur. Par contre, ça vient, à l'intérieur, il n'y a pas de jupon. Il n'y a pas de jupon ou de doublure, voilà, il n'y a pas de doublure. Donc, même au-dessus, il n'y a pas de doublure. Donc, il faudrait soit la mettre avec, je ne sais pas moi, les bralettes là, qui font le tour au niveau du cou. J'en ai une comme ça que j'ai porté avec. Sinon, avec les silicones, quoi. Sinon, c'est compliqué. C'est compliqué, à part si vous êtes à l'aise comme ça. Mais moi, du tout, je ne suis pas du tout à l'aise. Donc, voilà. Mais c'est une belle robe. La couleur et tout, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. OK? Donc, ça, c'était au niveau des vêtements. C'était les articles que j'ai pris sur Shein. Je pense que jusque là vous êtes quand même déjà ok, vous avez déjà les aperçus. Voilà, autre chose que j'ai pris sur Shein, c'est un sac. C'est ce sac là. Est-ce qu'on aime ou pas ce sac là? Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce sac. Je l'ai pris pour faire office de tote bag parce que j'avais plus de tote bag. Et je me suis dit pourquoi pas. Parce que là, on est dans le thème de l'été. Ça va bien pour aller faire un petit pique-nique, aller à la plage. Ça le fait en fait, ça le fait. C'est comme ça. C'est pas du vrai rotin, je pense que c'est du papier. Du papier. Donc, allez pas avec ça sur la pluie. Mais j'aime beaucoup, c'est assez grand, voilà, il y a une fermeture comme ça, c'est assez grand, vous pouvez mettre des tas de choses à l'intérieur, donc je suis vraiment contente pour ce sac, que je me vois bien porter avec, voyez la robe que je vous ai montré tout à l'heure, ensemble, cute. Et enfin, on va finir avec le meilleur que j'imagine, le meilleur pour moi, hein. Le meilleur pour la fin, c'est des chaussures, des sandales. Est-ce que c'est des chaussures ou des sandales? En fait, on ne sait pas parce que c'est un entre-deux. Je vais vous montrer, elles sont toutes blanches. Elles me rappellent mon enfance. Tu sais, c'est le genre de chaussures qu'on te mettait quand tu devais aller prendre ton bain ou aller à la piscine, mais c'était en version plastique. Et là, je les ai trouvées comme ça. Je pense que c'est du faux, c'est du faux courir bien sûr, mais je sais pas c'est comment ça s'appelle vraiment la matière, mais elles sont comme ça, elles sont toutes blanches, elles me rappellent mon enfance, elles sont confortables, you know,
avec un tout petit talon, juste assez, tu vois. Donc, je me vois bien porter ça en été pour les petites marches et tout au centre-ville, tu vois. Elles sont vraiment jolies. Par contre, je ne suis pas sûre si elles sont toujours en stock. De toutes les façons, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Je pense que vous pouvez trouver des dupes de ça sur Shein. Je les ai prises sur ASOS vraiment au début. Au début, on n'était même pas encore en été là. Je les ai prises déjà. Donc, je ne sais pas si elles sont encore là, mais je les aime beaucoup. Ça va être le truc que je vais beaucoup porter en été. Voilà. C'était le dernier article de ce haul. Alors, j'espère que vous aurez aimé ce haul. Moi, j'ai apprécié. Voilà, je me suis amusée à tourner ce haul. Voilà, on finit ce haul. Attendez, je vais bien mettre ce chapeau-là. Bon, voilà. On finit ce haul. Voilà, toujours. C'est l'été, je vous ai dit. Donc, j'ai beaucoup aimé partager avec vous les articles que j'ai trouvés. Voilà, ce chapeau, c'est un vieux chapeau que j'ai, donc je ne l'ai pas présenté parce que voilà, il n'y a pas de lien, tout ça. Mais voilà, on finit ce haul comme ça. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé, lequel des articles vous avez le plus aimé en commentaire. Et aussi, est-ce que vous aussi, entre nous, vous avez remarqué que les prix de Chine ont augmenté? Et est-ce que ça vous stoppe de continuer à commander sur Chine? Je sais pas. Je sais pas. Dites-moi vous en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez avec tout ça? C'est vrai que plein de choses ont augmenté de prix, mais quand même, ça fait quand même mal au cœur. Mais anyways. Donc c'est ça. C'était la fin de cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.